ce Jiparando, et bébé Bonga Jiparandori, toujours Ngaraka, champion du monde. On est là quoi, il y a bagarre des filles. Ouais, et bébé Bonga, toujours Yarando, Code 16, on est là quoi, champion Yang. À Londres, on est ensemble, à bientôt, je serai avec toi. C'est un fioto. Je vais te taper. Moi, je vais aller. 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 Je vais tu vois. À bientôt. Pas rien à dire. Rien à dire quoi. Hein, c'est un fioto. Attends-moi, j'arrive. Bitumandez à la rao. Bitumba balaba là. Ring in a tikeli moi à l'angabakouli. Mais yo, bunda ya balaba là. À bientôt, c'est un fioto. Ouais, Conseil Mumba et bébé Bunga. Et Zara Ngaï. Conseil Mumba. Garde du midi à Bruxelles, Rabbi de Bruxelles, Fantomas, on est ensemble, les grandes familles, Libondas de Bruxelles, Cotsens, Franck Meteor, Samso Samagoura, papa il est là, on a un look, on a un kikangiou, Yamaï, Soke Utawapi, je ne sais pas. Mais à bientôt, je serai avec toi, mon frère. Hein, frérot? Vas-y, wesh. On a perçu mon toutoumbo de la Côte 16. On est là, quoi. Et bébé Bonga. Maître Lizara, Zombili Bodor. Hein? Maître Hugo, Poulet. Charge, un bon maître. Ouais. Maître Elvis Mombombo. Va mettre tout, Batoma Castou. On est là quoi, champion de tir blanche. Hein? Tout le monde quoi, Côte 16. Tu as vu que tu as belé mon kilimo bimba. Ouais. Pas trop à dire. La Katsuana. Dans les bons, métal à rac. Côté na Ali, na yo zo moi logo mo ya c'est un fioto. A bientôt. Ouais. Dans les bons. Kaka batu oyo, baza na ba bongo moko ya songi nini nini oyo ba kokiko. Non, les Edi Badiata ne peuvent pas se comporter de la manière dont ils se comportent. Les Nana Boduga, ils doivent se comporter comme les Manon Luba qui se comportent. Les Madina se comportent. Et comme ça la Nini. Et comme ça la Nini, franchement. Et comme ça la Nini. Eh, fallait pour pas. Fallait pour pas. Mino, mino, nous autres là qui réfléchissons, on va dire quand même de manière lucide, on arrive à tirer la révérence, c'est pas à Batouana, tout au coup t'as l'inéo, au moins on a au PC respect. Parce que tu sais ce qu'il vaut. Mais Batou, Bazarana, on dirait Bazarana. Nana Bourig, Moko Boye, on dirait Bazaga. Non, on dirait Rabilo Rwana. C'est pour ça justement qu'il y a. En fait, même un vaut rien peut venir l'attaquer. Parce que, Balobaga, quand le poisson doit pourrir, il commence par pourrir à la tête. Bonjour, Beverly. Mais c'est temps pour l'aga et pour la ranamoutou. Donc, Naibite, voilà, ça c'est mon dernier message même. Naibite, ceux qui viennent à Bissau et Fanjo, Yemogo à encourager Rabilo Wana. Parce que c'est d'abord lui-même aussi. C'est d'abord lui-même aussi. Voilà, toi qui es paille, toi qui es paille. C'est d'abord lui-même. Vien Abiso et Fanjo. Il faut discipliner Batunayo. Avec tout le respect, Vien Nangaï. Il faut discipliner Batunayo. Ces personnes-là qui entachent. Ces personnes-là qui écorchent ton image. Nous ne voulons pas ces personnes-là à tes côtés. Ceux qui ont un effort de guerre. Pessa bango ba poste ba posto ba zo mérité. Pessa bango ba posto ba zo mérité. Pour ta jardinier, il y a président de la République, un grand prêtre. Pour ta coiffeur, il y a président de la République, un grand prêtre. Voilà. Pessa bango ba posto ba zo mérité. Et j'espère que ce groupe là il y a un règlement. J'espère qu'il y a un règlement.
pesa bango mano bazo mérité nenge bo pesa et pas ba journaliste bazaki go entaché image na na bino en fait on va dire pourquoi chez les autres voilà tout mon agelo rote. Je me rappelle encore d'une image où à tout mon agi danseuse moko boye so gini ni asala gini net moi pesa moi bisou mani ne tout mais le wana il y a jamais eu de sanction il y a jamais eu non mais non le laisser aller là à tout va un jour quand on a lobby enfin bateau bah détracteur naie bah rozoyer leur moko boye oui il faut coller personnellement bah jouer dans ma bémo moko boye et puis carrière naie pe et côté boulou et puis c'est la fin bon boye barango bah tu belles baluga kai lo guana pe baser la rango jusque là le gars il s'en sort et ceux qui laissaient aller wana ils ont continué. Ceux qui laissaient aller, on a, ils ont continué. Eh ben, ce mal-là peut arriver par ces personnes-là. Hein? Voilà. Oyo, bah, ça a impuni. Oyo, impunité, ils n'arrivent pas à la bango. Hein? Samson, Azari m'a cassé, hein. Mais pour avoir Samson, on est passé par qui? Par sa femme. Ceux qui, non, ni Dalida. Ouais. Ouana, en parabole. On peut passer par ceux qui foutent le bordel pour atteindre la personne. Donc, on a un message, il y a ma cassio, on a pessi, et pas yabatu. Donc, quand on est vraiment intègre, quand on veut vraiment que son image puisse être celle qu'on veut, hein, voilà. En tout cas, équipe, ma bétaga, nini, comment on appelle, le beau qu'on a mis ça. Ce sont pas des super mecs, ceux qui banini, tout. Fali mouta sa rabango. Ceux qui basent à Bazali, c'est grâce à Fali. Donc Fali, il faut légiférer, il faut allouer sanction. Il a cette capacité. Pourquoi quand on doit parler de professionnalisme, pourquoi quand on doit attribuer le terme professionnalisme à Fali, ça ne s'arrête qu'à Fali, jamais à son équipe. Je vous pose la question. Pourquoi quand on doit parler de professionnalisme, ça s'arrête qu'à l'artiste lui-même. Je dis bien lui-même. Jamais à son équipe. Bon, il est l'un des rares artistes musiciens également congolais qui a une double face. Quand je parle de double face, une double équipe. Il y a une équipe. Professionnel qui ne parle jamais, qui ne s'exprime jamais. Je vais citer en l'occurrence les Manon Lubaki, vraiment. Coucou Manon, hein? Bisous, hein? Manon Lubaki, c'est pas pour rien que tu es de l'autre côté là-bas, hein? Netika Babiso, hein? Voilà, Manon Lubaki. Les gens comme le Camerounais là, comment il s'appelle? Les Madina, ces gens-là ne s'expriment jamais. Et bien voilà l'équipe professionnelle de Fali. Mais il y a une certaine équipe là. Il y a une certaine équipe là. Qui est tout le temps en train de faire des bavures. Hein? Cette équipe là. Alors pourquoi cette équipe là ne se comporte pas ou bien ne s'efforce pas à véhiculer une bonne image de l'artiste? Pourquoi cette équipe-là ne s'efforce pas à véhiculer la bonne image de l'artiste que lui-même, l'artiste, veille, hein? Fallait pas passer quelqu'un de très intègre, de très correct, hein? Officiellement, hein? Voilà, je parle pas des choses qui se passent hors caméra. Je ne sais pas ce qui se passe hors caméra. Quand l'artiste presse, quand il est sur le podium, les faits et gestes, en tout cas... Le gars, il fait attention à son image. Alors, pourquoi cette équipe-là, hein, cette équipe-là qui l'accompagne, bateau tout le monde, ceux qui prennent souvent la parole, ceux qui font le journalisme, ceux qui font des publications, pourquoi ils ne veillent pas à ce que l'image de l'artiste corresponde à leurs faits et gestes? C'est la question que je pose. Quel est le rôle d'un directeur de marketing et communication? Nous savons qu'il y a des gens qui ont des postes, on va dire, démérités. Hein? Voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des gens qui ont des postes démérités.
On a bien un effort de guerre. On a dit à Moutou. Et là, on a dit à Moutou. Moutou, on a dit rien. Et là, on a dit à Moutou. Bon. On a dit à Gounanga, on a dit à Gikop ensemble. On a fait ça. Poste. On a posté Moussousou. Quand on décide de donner une fonction à quelqu'un, il faut correspondre paix à sa juste valeur. Il faut correspondre paix à sa juste valeur. Parce que Babylon Moussousou est comme un poste démérité. Il y a un ça, ma tache d'huile. Voilà. J'arrive, autorité morale. J'arrive. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Je suis d'abord sur l'équipe de Fally. C'est pas parce que Bobani Kop na Moutou. Et que Malamoko Bambiega poste Moko Moyamunene, directeur de marketing et communication. To Soginini, attaché de sécurité, To Soginini. Non, Babilo, il faut retirer en haut. Bato Moussousou, au PC poste, où ils doivent correspondre à sa juste valeur. Tala. Quoi faire à présent à grand prêtre, hein? Vieux Dengues, hein, le président de la République du Congo Brazza. Quoi faire, on a un grand prêtre, Yao Saralaté. Hein? Le portier, le vigile. Hein? Il y avait un abisso, Edgar Nguesso. Un grand prêtre, hein? Toi, il est toga. Vigile, naïe. Un grand prêtre, Yao Saralaté. Voilà. C'est pas parce que j'ai eu un ami, par exemple, avec qui j'ai fait de longues études, qui aujourd'hui est devenu président de la République. Et qui va me solliciter. Bon, Chagui était mon ami, on a eu à faire route ensemble. Bon, prends le ministère de la communication. Je dirais à cet ami-là, mais mon frère. Moi, je parle de moi. Je dirais à cet ami-là, mais mon frère. Je n'ai jamais fait des études de communication. Je n'ai pas un diplôme dans ce sens-là pour prendre le ministère pour lequel tu veux que je puisse. Prendre les responsabilités, on va dire, ou les fonctions. Je demanderai par contre à cet ami-là, mon frère, je sais que tu es un grand prêtre, aujourd'hui tu es devenu président de la République, paye-moi des études pour que j'aille faire une formation adéquate pour que je puisse prendre le ministère pour lequel tu veux que je prenne les fonctions. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'un directeur de marketing et communication, moi j'avais déjà dit ça. J'avais déjà dit ça ici, là, sur mes publications. On va attaquer Chagui, Nini, on a un problème, Nanine. Non, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. C'est parce qu'on voit l'artiste musicien Fally Ipupa, qui est un grand homme aujourd'hui, qui fait la fierté de la musique congolaise et la musique africaine. Alors, quand il a à côté de lui des gens qui ne correspondent pas à son image, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. C'est pour ça que je suis là. Et moi, j'avais déjà sonné. J'avais déjà dit quelque chose dans ce sens-là. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Alors, je me demande, au sein de cette équipe-là, est-ce qu'il y a des règlements? Est-ce que ce sont des personnes intouchables? Oh, bah, touche à rater, il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien du tout. Parce que le monsieur n'est pas à sa première bavure. Le monsieur n'est pas à sa première, on va dire, mauvaise communication. Vous vous rappelez encore de l'histoire de Grâce Témo? Son message sur sa page officielle, bien évidemment. Infiltration avortée, mission échouée, mot d'ordre, cata totalement grâce. Warrior, voilà, DMC. Le DMC, un directeur de marketing et communication, veille à l'image d'une entreprise. Là, je parle d'une entreprise parce que F-Victime est un groupe, c'est une entreprise aussi. Directeur de communication AV Akana, image, il y a groupe, toi et artiste, ça va ensemble. Et j'aimerais dire quelque chose. Également, on m'a dit que Chagui, un peu de respect, tu traites les gens de racaille. Non, je n'ai pas traité les gens de racaille. J'ai parlé du comportement. Quand on agresse quelqu'un, quand on tente d'agresser quelqu'un, on se comporte comme une racaille. Je ne dis pas que ce sont des racailles, non. Moi, on a bien. Tant que le rappel, moi, français, on a. Hein, bah, tout le monde, c'est ça. Bah, ça, moi, compréhension, moi, en bruit. Hein?
Ce que moi j'écris et ce que vous comprenez, je ne suis pas responsable de ça. Moi, ebi bou nanga esika euti. Et ce que je veux dire. Maintenant, toi, ce que tu comprends, je ne suis pas responsable de ça. Voilà. L'attitude d'agression, hein, la tentative d'agression envers une personne est qualifiée comme voilà, comme une racaille. Parce que baracaille ne monte pas ça à la bilouana. Dans le but, c'est que bazaï baracaille. C'est différent.